des matelas, mais pas que. Le matelas, les coussins, plein de possibilités de faire des choses. Exactement, ça peut être sur des projets sur mesure, des lits, des camping-cars, des... On peut quasiment faire tout ce que fait bien un matelas moderne, des couchages modernes, seulement adapté à nos envies et surtout avec une matière qui se réutilise, qui se vient de pas, qui reste à notre famille. C'est ça, c'est que l'avantage de la laine, c'est quoi par rapport aux autres matières qu'on peut utiliser pour les matelas ou les coussins? Votre matelas standard, quand au bout de 8 ans il est un peu mort, ben on jette à la déchetterie. Le nôtre, vous le ramenez et on regarde la laine, on n'a pas besoin de machine pour faire la poussière, on lui redonne du volume. Ensuite, vous sortez avec un produit qui est neuf. Donc on parle de éco-responsabilité également avec toi, Jérémy, puisqu'on ne jette rien. On remet de la laine à l'intérieur, on refait un matelas. Et ça, c'est également un avantage. Alors, on te retrouve ici, Jérémy, c'est au niveau du stand, juste à côté de la porte latérale du parc des expos à Vitosula. Donc, on peut tous les remercier. Exactement, vous pouvez vous retrouver rapidement dans notre atelier. Vous allez vous couper les cordes sur notre stand. Thank you.
Dans quelques minutes, on va parler des plumeaux d'agent avec le beau gosse que vous voyez derrière la caméra. Alex, n'hésitez pas à venir lui faire un petit coucou, il a les yeux bleu vert. Alors, pas un cœur à prendre, hein, parce qu'il est déjà pris malheureusement, mais vous pouvez quand même lui faire un petit coucou. Voilà, il a la caméra, vous n'avez pas le matériel. C'est la personne qui fait, qui vous transmet les images au grand écran et on se voit avec Elodie. On va parler des plus longs, on parle des plus longs de Monet. De Monet, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes où exactement? À côté, on a les huit, hein, on est au bureau interprofessionnel du Pluto, bien sûr, qui est là avec nous, avec des dégustations, pour venir au stand et vous rencontrer et puis déguster quelques petits bonbons, parce qu'on va dire que c'est quand même des petits bonbons que le Pluto peut vous proposer à la dégustation. Exactement, on va commencer avec un écureuil. Donc on est pas trop mal, vous pouvez le venir, vous le voyez Alex, avec les pruneaux qu'il y a sur la table, vous avez des produits bien sûr transformés avec les pruneaux de chez nous, parce qu'on rappelle que le pruneau c'est 1900 sur 20. Mais en tout cas, et ensuite venir discuter avec le pruneau interprofessionnel. Les pruneaux également qui sont là avec nous et qui nous accompagnent pour cette première édition de la carrière agricole et gourmande. On va laisser les gens venir tranquillement au stand pour venir déguster les pruneaux qui sont à disposition et puis voir toutes les variétés de produits que vous avez avec les pruneaux. Merci beaucoup. Et sur ces deux comme ça.
personne. Voilà, qui est la régie. Mais vous avez ce qu'il y a.
chez la femme. Elle passe de les escargots modifiés à la place de la
pourrez aller me voir du côté de Saint-Colombe-Villeneuve pour avoir des explications. N'hésitez pas, maximum dans la tour, Stéphane, il est là avec vous. Pour cette période entre les moments, on parlait d'escargots et d'escargots avec des préparations de pâté. On dirait des lumières, merci Stéphane. Tiens là, Camille, tiens là,
Après-midi, ce dimanche,
l'intérieur, qui va être de bon. Et Roger qui est en train de tourner une œuvre libre, on a fait un changement de la porte latérale. Tu parles des démolitions, mais tu n'es pas allé voir assister à un travail assez incroyable dans le bien-être animal également. On va parler, continuer par différents. Dans quelques secondes, bien-être écologique et énergétique avec le ciel énergétique dans quelques jours. On est avec Ravna, on est avec Seb Averji, présent dans le Lord des Garons. On va discuter avec Ravna. Seb Averji, c'est quoi? Donc, il y a une société qu'on a développée, donc c'est le syndicat d'énergie, qui s'appelle Territoire Énergie de Tégaron. On a un syndicat de communes et on gère en fait tous les réseaux électriques et réseaux neufs pour toutes les communes de Tégaron. Depuis quelques années, nous avons décidé d'orienter notre action en développant des énergies renouvelables. Donc, nous travaillons sur le solaire, les économies d'énergie, et donc aujourd'hui, plus spécifiquement sur la méthanisation agricole, d'où se présente aujourd'hui. Je suppose que c'est une source d'énergie qui se développe de plus en plus pour les agriculteurs. On sait qu'on en parle beaucoup pour les professionnels, mais peut-être plus de l'industrie. Mais là, pour les agriculteurs, on sait qu'il y a plusieurs projets qui arrivent à terme dans le Lot-et-Garonne, notamment du côté du Périgord ou Loire-et-Loire, mais également dans le Grand Lillebois. Tout à fait, c'est vraiment notre action et notre objectif, c'est que la méthanisation soit aussi pilotée par les agriculteurs. Donc aujourd'hui, on accompagne à peu près 6 projets qui sont en cours de développement, d'autres qui vont également arriver sur le Lot-et-Garonne. Donc comme vous l'avez parlé, un à Villeréal et un autre qui est en cours de développement sur le Lot-et-Garonne. Pour les agriculteurs qui nous écoutent, on en a des producteurs, on en a des éleveurs. Comment faire? On vient vous voir également, bien sûr, cet après-midi, hein, à la Feria, et vous accompagner le projet de A à Z. Alors, pas de A à Z, on veut surtout les accompagner pour le début. Donc, on a développé toute une expertise. On met à la disposition des agriculteurs des bureaux d'études. Et c'est vraiment l'objectif pour qu'ils se lancent dans un projet et que ce soit réalisé dans de très bonnes conditions et qu'ils partent voilà, sur de très bonnes dates. Après, bien entendu, on peut les accompagner sur la suite, sur le changement, etc. Donc, on a l'espoir de vraiment développer tout un panel pour les accompagner. Gracias.
continue à dessiner, on n'arrive jamais à arrêter, on n'arrête jamais. Et tant que j'ai une main libre, et tant que j'ai pas deux on continue à dessiner. Ben, on voit que... Bon, une bêtise. Voilà, et ça c'est un animal qui s'y prête. Le mouton. Pour Jean-Paul Sauvignon, vous avez demandé Michel de faire l'affiche pour... Thank you.
Regarde, Mina. Je vais manger la gueule. On va aller voir ta copine. Ça va? Après, tu vas recommencer à midi. C'est bon. Allez, vas-y. Oui. C'est bien. Voilà. Hein? Oui, c'est un clou normalement. Là, il est un peu épais comme ça. Ah, alors, tu vois, le planter sur le. Et taper un peu, d'accord? Chauffe bien. Moins fort, hein. Quelqu'un qui m'apprenne. Ça fait son âge à peu près. À 10 ans? Non, mais un peu moins alors. Excuse-moi. 9. Ah, 9 c'est bon. T'as 9 ou 10? Non, il y en a 10. Ah, je vais taper encore un tout petit peu. Et si lui, quoi? Oh, regarde bien. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va casser. Ben non. Ben non. Ce qu'il va faire. Alors, on vérifie si ça commence à rentrer dedans. Ça rentre dans la poutière, donc là on est pas mal. D'accord ? C'est bon, il a presque fini. Plus que 25 minutes. Je vais manger la glace. Ça va super vite. Je vais manger la glace. La glace à la chèvre, oui. La glace à la chèvre, ça c'est. Non, mais sérieux, oui, ah, merde. Oui, ils sont là. Pardon. Non, mais ils sont là en plus, ils sont à l'intérieur. Ah oui? Oui, oui. Ils vont venir vous montrer. T'as fait un poids pour trouver la viande. Ah ben oui, la glace à la chèvre, oui. C'est bon ça en plus. Eh, merguez, c'est encore mieux par-dessus. Tu as vu?
On va le découper. Alors regarde. Là il rentre dedans. On va couper 1,5 cm au-dessus. Ça marche. Pour le couper, tu vas taper au même endroit qu'il est au ton marteau. On va mettre une tranche. On va venir taper ici. Il ne faut surtout pas taper là. Hein. Okay. Ici, d'accord. On va réchauffer. Hein. Mais il faut sur... si tu tapes ici, il va être tout tordu. Faut vraiment au-dessus de la tranche. Ça marche? On est dans le charbon. Ouais, t'as raison. J'en remets un peu d'eau. Miku. Ouais, j'en mets de l'eau, ouais. Ouais. Miku. C'est bon? Ah, on a presque fini. Oh, là, ça va être un peu. 2 minutes. 23. Ouais, voilà. 2,3. Il y a plus que 2. Doucement. Ouais. Il y a plus que 1. C'est vrai, pour l'instant, il y a encore un 3. Là. Déjà, c'est déjà pas mal pour moi. Pas plus, hein. Pas plus vite, hein. Il y a plus de vite. Non, j'ai juste trempé là, là pour pas que ça fonde. Ici, hein, t'es d'accord? Super. Souris là? Alors, on va réchauffer, d'accord? Ça va pas tarder. Ah, il manque 2 minutes. 2 minutes, exactement. Là, on y est. Là, je vais le mettre dedans. Je vais le découper comme ça. Je vais le mettre ici. Je vais taper 2-3 fois avec mon marteau. Et après, chacun son tour. Marche. Même quartier, vous venez le voir. Il est au stand ici, à l'intérieur. À l'intérieur, en côté de ce séchoir à YouTube. N'hésitez pas à venir voir. Vous avez des tomates. Et vous avez. Des tomates vertes. Attention. Les tomates entières. À toi. Souris, Il en fait 50 comme ça. On est bon là ? Une week-end, c'est bon. Tu le ressors. Super, tu viens le poser dessus. Tourne-le, pose-le, là, pose-le là. Voilà, tourne-le. Super.
Ça, c'est le même.